fin d'entraînement, là, on était du coup sur le terrain avec Lorenzo. Bon, ça fait déjà 2 semaines et demie, 3 semaines que je suis tous les jours sur le terrain avec lui maintenant. Et voilà le genre d'entraînement qu'on fait. Pas mal de courses, pas mal de travail de mobilité avec mon genou. C'est sur des courses un peu plus appuyées, limite du sprint. Et un peu de ballon aussi pour retrouver les sensations balle au pied. Mais toujours en faisant attention aux gestes et en prévention aussi de mon genou. Je peux pas frapper n'importe comment, envoyer des tirs comme ça. Donc non, on bosse bien. Et puis maintenant, on va en salle. On va s'étirer un peu. On va travailler encore un peu renforcement bas du corps, justement après la salle. C'est important, tu vois, les muscles ont bossé, de les renforcer, et un peu de haut du corps aussi pour finir la séance, et on sera bon. Bon, quand on a fait la séquence où j'ai fait le test iso, là déjà je me sentais un peu mieux, mais c'est quand j'ai breaké là. Une semaine, 10 jours, je suis revenu après, qu'on a repris le terrain vraiment, je recommençais à recourir sur le terrain, trouver des sensations. Bah, j'étais grave plus à l'aise dans tout en fait, tu vois. Non, même dans le renforcement musculaire, dans les exercices. Vu que j'allais sur le terrain et que je sentais que j'étais tranquille, bah, mentalement, je me suis remis bien. Et donc du coup, tous les mouvements, tout ça et tout, je les faisais beaucoup plus facilement. Et là, on peut bosser normalement. 3, 2, 1, let's go. Yes. 3, 2, 1. Ouais, on vient de finir petit travail haut du corps, dynamique, avec le boss. Voilà, ça fait du bien, je suis en forme maintenant. After training, I need to go pull more often, I think. This is nice. Okay, chance, you need to improve a lot. So, take the movement, eh? Not skipping. Run, come on. Okay, bend and attack the. Stop. Take 30, come on. Right, this is the last, 10. Come on. Là, tu vois, je fais des photos de tous mes repas et dîners pour les nutritionnistes là, à Nottingham, puisque j'ai un plan nutritionnel en fait. Ils suivent tous les repas et j'ai besoin de plus ou moins de calories, de protéines, plus de glucides, plus de légumes, tout ça, tu vois. Et c'est très, très surveillé maintenant qu'ils sont arrivés. Et depuis que j'ai repris le terrain, j'essaie de vraiment faire attention, tu vois. Pour être le plus en forme possible. Et donc du coup, il y a vraiment un échange quotidien avec eux. Et ils gardent beaucoup d'importance à ça. Et c'est même important pour moi, parce que du coup, le fait de prendre tout le temps en photo mes plats et tout, ça me permet de ne pas faire d'écart et de garder une structure vraiment, et d'être carré sur ça, et pas craquer ou pas faire l'idiot avec ce que je mange. Donc c'est une bonne chose, et ça fait partie aussi du travail invisible, entre guillemets. Voilà, il y a l'entraînement, il y a le terrain, la gym, tout ça et tout, mais il y a aussi l'alimentation et le sommeil et le repos aussi qui viennent après. Là, on est à Isokinetic, on vient d'arriver. Et aujourd'hui, c'est hyper important, parce qu'on a le test en green room, donc le final test de la rééducation. Ça va être important de bien le réussir. Et voilà, donc on va se préparer avec Antonio, toujours, avec un peu d'activation. Ensuite, on va aller en green room et essayer de bien réussir ce test. And jump. Good. Okay. Faster and faster. Go and push. Okay, good, go. Stop. Yes. The last test that you put weight on, the hip flexion is perfect. Donc là, du coup, on a le tableau des scores finaux, avec le score final qui est de 84. Donc c'est un très bon score. Bon, Anto, mon kiné, il aurait aimé que je fasse 90, mais c'était le meilleur score que je pouvais faire, mais 84, ça reste
un très bon score. Donc normalement, on est bon. J'ai réussi le test. J'ai très bien réussi le test. Le doc principal est content. Donc tout va bien. J'ai des petits points encore à améliorer. Mais ça va venir encore avec le temps parce que la réduc n'est pas encore complètement finie. Mais ça clôture bien toute la phase de rééducation ici à Bologne. Et on peut fermer le chapitre ici dans cette green room déjà. Et puis avec toute la rééducation générale ici pour retourner maintenant sur le terrain à Nottingham bientôt. Ça fait plaisir. John. Tobin? Tobin. Nice hat, hein? You like it? Your style is fantastic today.